Salut Léo, ça va? Ça va et toi? Bien dormi? Ouais. Ouais. On y va? Ouais, on y va, allez. Bah fais attendre, je t'attends en bas. Ça roule? Ouais, ça roule. Nickel, à tantôt. Je m'appelle Dorian, j'ai 23 ans. Il y a 6 mois, alors que je montais ma moto dans la camionnette, je suis tombé en arrière et j'ai plus jamais su me relever. J'ai glissé, c'était une bête chute et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je savais plus bouger les jambes. On m'a emmené à l'hôpital et là-bas, après les examens, ils m'ont dit que j'étais paraplégique. J'ai eu du mal à m'accepter en chaise, mais j'avais pas trop le choix et aussi le regard des gens était très difficile à accepter. J'ai découvert le centre de traumatologie et de réadaptation à Bruxelles, où tout est focalisé sur le sport. Quand j'ai rencontré Kevin, le coach sportif, le courant est directement passé parce qu'on a plus ou moins le même âge, donc je peux lui parler comme j'ai envie, on va dire. Donc les deux mains ici au-dessus, mets bien tes freins, nickel, hop, tu viens pousser. Voilà, descends doucement. J'ai rencontré Dorian le premier jour où il est arrivé. Il était, je dirais, curieux. Je pense que c'est vraiment le terme que j'utiliserais pour décrire sa démarche sportive envers moi. Dernier exercice, celui que tu préfères, donc le volant. Hop, bras tendu, hop, hop. Il me motive beaucoup dans tout ce qui est sportif et c'est devenu un ami. Ici, j'ai un programme très chargé entre la kiné, le renforcement musculaire, la classe para. Je sens que je progresse et que j'arrive à m'en sortir tout seul de mieux en mieux. Bon les gars, c'est bon, on est parti, classe para. La classe para, donc là qui est vraiment une classe privilégiée pour les personnes qui souhaitent gagner un peu d'autonomie en chaise roulante. Ils apprennent à aborder tout obstacle en fait qu'ils pourraient rencontrer dans la vie. Allez, c'est parti les gars, faites gaffe aux racines. Allez, enchaîne, c'est bien avec Kondo là. Petit à petit, je commence à progresser aussi, à bien me débrouiller. J'ai plus très peur de descendre des produits ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est bien qu'ils nous apprennent tout ça. Un jour, j'ai découvert le handbike. C'est une sensation de liberté et je peux aller où je veux, donc j'oublie un petit peu que je suis en chaise. Feel it heavy in my bones now. Salut. Ça va bien? Ça va. Ça va bien? Ça a été l'entraînement? Ça va, nickel. Pas trop dur? Non. T'as pas assez transpiré là? Non, pas beaucoup. Hein. Faut faire plus de tout. Hein. J'ai vu que dans le sport, bah, ça m'ouvrait d'autres portes et que le handbike pouvait devenir une passion. Et pourquoi t'as choisi le handbike et pas une autre discipline? Parce que le handbike, tu peux partir et tu penses à rien, toi. Tu roules et c'est tout. Là, t'es pas dans la chaise. Je pense à rien. Moi, j'ai la même chose avec l'athlétisme. Je suis en compétition et tout ça, je pense à plus rien. Même les sensations d'handicap, je les sens plus et tout ça, je suis libre en fait. Au début, tu sais, c'était pas très très facile pour moi aussi. J'ai eu des difficultés, je suis tombé à plusieurs reprises. J'ai eu plusieurs chutes, plusieurs blessures. Donc c'était aussi pas facile pour moi. Donc avec la persévérance, j'espère pour toi que tu vas réussir un jour. Wonder what it's like to be okay.